Bonjour, bienvenue à l'ébénisterie du Petit Atelier. Mon nouveau projet, une petite étagère à épices.
Alors, à l'étape suivante, l'étape à laquelle je suis rendu, ici, là, comme vous pouvez voir, là, les baguettes ont été coupées un peu plus longues que la largeur requise pour l'armoire à épices. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est, je voulais m'assurer que la longueur de mes baguettes n'était pas trop courte pour la largeur de l'étagère à épices, étant donné que ça peut arriver quelquefois que selon le plan, c'est pas toujours exact. Maintenant, pour rendre la longueur de la baguette égale au côté de l'armoire, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, ici, là, je porte toujours une attention particulière pour être sûr que vous voyez bien ce que je fais. Alors ici, je vais utiliser ma toupie pour égaliser la longueur de la baguette avec le côté de l'armoire.
Si c'est votre première visite sur ma chaîne, bienvenue! Et si vous avez aimé, faites sûr de vous abonner. De cette façon, en cliquant aussi sur la petite clochette juste à côté de l'icône d'abonnement, vous serez notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et soyez bien à l'aise de me laisser vos commentaires sur la page plus bas. Sur ce, merci pour votre écoute et à la prochaine.